en 1860, 1860, pour vous dire à quel point ça va vite, 80% des habitants, c'était des fermiers. 80%, c'était des fermiers. 2018, aujourd'hui, regardez bien le taux qu'il y a. 2% des habitants sont des fermiers. Et ils vont nourrir au-delà du pays dans lequel vous habitez. Qui comprend que c'est en train de changer énormément l'époque dans laquelle on vit ? Énormément. Il y a 150 ans, il n'y avait pas autant de métiers qu'il y a aujourd'hui. Les plus pessimistes vont dire « Mon Dieu, c'est la fin, c'est fichu ». Non, pas du tout. C'est une très bonne nouvelle, ce renouvellement. Mais pas pour celles et ceux qui sont rigides. Si vous êtes flexible, si vraiment vous êtes flexible, si vous restez engagé sur la durée, vous ne perdrez jamais. Il n'y a pas un problème de marché, il y a une mutation. Et si vous avez un esprit flexible, vous allez trouver votre place. C'est votre devoir d'apprendre à vous renouveler, à vous adapter, à vous former.